remercie une fois de plus mon après-midi. Nous venons tout juste de conduire Maman Lydie, votre mère, à sa dernière demeure. Quel souvenir gardez-vous d'elle? Oui, disons, je suis très content pour ce que maman aura fait pour eux, tant pour moi, particulièrement pour tous ses enfants. Elle ne savait pas faire la différence entre ses enfants et les enfants des autres. C'est vraiment chez moi aussi. Maman Dieu fétisse, qui était très ouverte, et là, elle avait surtout la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, j'ai dit, j'insiste là-dessus. C'est ça qui faisait sa place. Aujourd'hui, je ne peux même pas lui dire comment tout à l'heure s'est passé. Nous allons la reconstituer avec la grâce de Dieu. Vous souvenez que je garde d'elle. C'est une maman qui nous a appris à travailler. À ne pas compter sur les autres. Et à être tolérant. L'esprit d'indigence et la tolérance. C'est une maman vertueuse. Une maman pieuse. C'est pour ça que, dans mon commencement tout à l'heure, j'ai pris la peine d'expliquer aux gens que c'est depuis qu'elle a fait son accident, qu'elle s'est retrouvée à la maison, qu'elle n'est plus jamais sortie, que les problèmes se sont multipliés, que nous sommes retrouvés, n'est-ce pas, en voie à des difficultés, parce que c'est une maman qui savait donner, qui savait partager. Nous allons continuer ce qu'elle a commencé. Ce verre à moitié plein qu'elle a rempli là, nous allons le remplir. Justement, permettez-moi de vous poser la question, bien que vous ayez déjà apporté des éléments de réponse. Êtes-vous prêt à continuer à porter son flambeau, c'est-à-dire à continuer l'œuvre qu'elle a commencée? Oui, nous l'avons déjà commencé. Nous l'avons déjà commencé. Et nous l'avons continué dans cette lancée-là. Nous n'hésiterons pas, parce que c'était notre conseillère. Et c'est une maman, voyez-vous, qui savait, je ne vais pas lire en bout de cristal, parce que s'appesantissait justement sur sa foi pour nous permettre de regarder dans la bonne direction. Je dis bien la bonne direction, c'est la maman de tout le monde. Si vous arrivez dans le quartier où elle a vécu, où nous sommes nés, si vous arrivez dans cet autre quartier qu'il a accueilli après qu'elle ait fait son accident, si vous arrivez même dans le milieu qu'il avait créé au niveau de l'église où elle faisait vraiment le culte, tous ceux que vous rencontrerez vous diront que c'était une maman pieuse, humble, serviable, qui savait partager. Voilà. Merci, M. Simon, de vous être prêté à notre micro. Bonne continuation de cérémonie. Bonsoir, Paco. Oui, nous sommes là rendus au crépuscule de la vie de votre grande-mère, Maman Lydie, que nous venons tout juste de conduire à sa dernière demeure. Sûrement qu'elle a été pour vous une grande-mère, une mère, une amie, une conseillère. Quel souvenir pouvez-vous nous dire, garder d'elle en cette journée où nous l'avons conduite à sa dernière demeure? Le souvenir, déjà, la grand-mère, c'était vraiment compris son ami, rassembleuse, et toujours là pour mettre tout le monde à jour, quoi. Que personne ne s'éloigne. Chacun reste plus sur le droit chemin. Tu as prodigué les conseils, toujours à s'occuper dans le cas des maladies et tout, de diriger sur le droit chemin. Il y avait toujours remis la paix autour d'elle. Les gens sont les souriants et d'abord. Vous venez juste de parler de paix. Êtes-vous prêt à être ce semeur de paix qu'elle a été dans la famille qu'elle vient de quitter? Merci Paco de vous être prêté à notre micro. Merci. Sûrement qu'elle a été pour vous, non seulement une mère, une amie, une conseillère. Un modèle, voilà. En ce moment que nous venons de la conduire à sa dernière demeure, elle a sans doute laissé chez vous de très bons souvenirs. Que pouvez-vous nous dire, autant pour moi, de votre mère? Est-ce que je peux me rapprocher d'abord? Je peux parler tant à vous. Ok, merci de cette interview, merci de ce rappel. Rappel du moment avec mon maman, regretté pour une grande édite, qui fut ma mère. Lui, elle nous a donné beaucoup de leçons d'humilité. Ce que je peux retenir en elle aujourd'hui, en lui rendant grâce, Elle mérite son allèlement. Elle a été humble. Il y a humble toute sa vie. Elle a
passé sa vie chrétienne dans l'humilité que tu as servi, a servi en nous donnant les leçons d'humilité et les leçons de famille. Les leçons de famille dans l'union et dans la paix. Ce n'est pas une maman qui aimait la division. C'est une maman qui aimait être charitable. Elle aimait être affamée, mais offrir aux autres. Parce que les notions de l'Église lui ont inculqué cette notion en ce temps-là, il y a environ 60 d'années. Elle meurt aujourd'hui, elle nous quitte aujourd'hui à l'âge de 81 ans, avec toute la grandeur, je me manque le mot, grandeur incommensurable, la grandeur morale, si je peux ainsi dire. Oui, que de leçons. Les leçons de l'humilité civile. Très serviable. En cela, nous avons accepté la compagnie, que le Seigneur nous donne cette force, de la soutenir et de suivre ses leçons et les mettre en application. C'est pour ça aujourd'hui, contre toute attente, on a vu le soleil s'élever, pendant qu'il mangeait, parce que son enterrement ne peut pas se passer sans qu'il y ait un soleil radieux pour qu'on obtienne cette bénédiction. Et cette bénédiction, avec la grâce de Dieu, nous l'avons obtenue. On dit merci Seigneur, on lui rend comme sa grâce, que sa mémoire, qu'elle repose en paix. Merci maman, de nous avoir donné vie jusqu'à ce moment. Nous nous portons bien, malgré les difficultés, nous t'avons rendu cet hommage que tu mérites, que tu mérites, que tu mérites. Que le Seigneur te réserve une place de choix. Que tu veilles toujours sur ton porte par ta mémoire, parce que nous ne t'oublierons jamais. Je ne suis pas le seul, c'est toute ta famille. C'est le message de ta petite famille que tu as laissé. Merci. S'il y a autre chose, nous serons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce au Seigneur. En disant seulement merci et merci et merci. Pour les paroles, ce n'est pas bon. Pour le commentaire, ce n'est pas bon. On a vécu dans la douleur. Ces derniers jours étaient très douloureux. Elle a vécu 13 ans de maladie. Vous me permettez, autant pour moi, je disais donc tantôt que 30 ans de veuvage, ça a été trop douloureux pour elle, mais elle a supporté seule, sans nuit à ses enfants, sans nuit à sa progéniture, sans nuit à sa famille, c'est-à-dire les oncles, les tantes et autres. Non, elle a enduré par la vertu du mariage. Je fus une femme mariée légalement à l'état civil en ce temps-là. Nous n'étions pas nés. Vraiment, nous lui avons rendu cette grâce passée. Alors nous l'avons soutenu dans son état de veuvage, de solitude. 30 ans après, ensemble, nous avons partagé un repas copieux pour l'endurance, la persévérance, ces conseils qu'elle a nous donnés pendant ces 30 ans de veuvage. Ce fut donc le 17 juin. Le 17 juin 2017, à Douala. Donc voici, chez son fils, Guantanamo. Elle était encore vivante, elle était énervée d'une leçon de moralité, et elle était sûre que si le Seigneur la reprenait, même en ce moment-là, elle mourait de joie, elle éclatait de joie, malgré son état physique qui était un peu sur fauteuil roulant, qu'elle n'arrivait même plus à s'exprimer. Elle était énervée par cette action que les enfants lui ont apporté, par cette soutenance que nous lui avons donnée, par cet amour, cette chaleur que nous lui avions donnée à la mémoire de son regretté mari, content, et elle-même contente, vraiment, le Seigneur. Elle a sans doute été pour vous une grand-mère, une mère, une amie, bref, une personne qui aura sans doute marqué d'un cachet particulier votre vie. En ce jour, nous l'avons conduit à sa dernière demeure. Quel souvenir est-ce que vous pouvez garder d'elle, de son passage sur terre? Oui,
rend grâce. Nous avons constaté tout à l'heure, n'est-ce pas, pendant les funérailles, que sa petite fille a été intronisée comme étant son remplaçant, son successeur. Quel conseil pouvez-vous prodiguer à cette dernière? À celle qu'elle a choisi. Elle a choisi comme elle a choisi. Parce qu'elle a choisi cette vie par les enfants qui veulent le faire. Nous soupçonnons même que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a dû choisir, n'est-ce pas, votre fille Anita pour poursuivre ses œuvres. Anita, votre fille qui aujourd'hui prend la place de maman Kwenga Lidi dans la famille, quel conseil est-ce que vous pouvez donner? Le conseil que vous pouvez donner à ma fille Anita, elle doit se retrouver complètement sa grand-mère, son vivant, mais c'est pas là. Les œuvres que j'ai commencées, à force de les acheter, de continuer. Mais je puisse avoir le traîner tout du sang, de lui venir en aide, parce que c'est une tâche difficile. Elle ne peut pas encore assumer. Vu sa jeunesse, elle ne peut pas encore. Mais le Seigneur seulement sera au contrôle. Il viendra en aide. Anita, nous sommes rendus en ce jour 7 octobre 2017, au crépuscule de la vie de maman Kwenga Lidi. Ta grand-mère qui a porté son dévolu sur toi pour poursuivre ses œuvres. D'abord, la première des choses que je vais vous demander, c'est quel souvenir est-ce que vous gardez de votre grand-mère? Je vais dire de maman Lidi. Bonsoir, pas de côté. Premièrement, de maman, vous m'appelez ta grand-mère. Le souvenir que je garde de maman Lidi. Intelligente, soumise, respectueuse, humble. Elle fêtait tous les enfants comme ses propres enfants. Elle ne tenait pas compte du sang, du lien familial. Tous les enfants qui venaient à la maison, elle les prenait comme ses propres enfants. Elle nous a dit, elle a demandé que nous devons suivre ses conseils qu'elle nous a prodigués. Nous devons marcher comme elle veut, prier beaucoup, chanter, louer Dieu comme elle le fait. Est-ce que vous êtes consciente de
la lourde responsabilité qui est la vôtre aujourd'hui, parce que nous avons reçu beaucoup de qualificatifs hautement positifs de Maman Kouenga Lidi. Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui à assumer ce lourd fardeau, parce que toutes les éloges qui ont été donnés à Maman Lidi font de nous, qui ne sommes que des étrangers, comprendre et croire que Maman Lidi était une grande dame, une dame de cœur. Êtes-vous prête pour assumer ces nouvelles responsabilités qui vous incombent à partir de ce jour, à savoir le titre de grand-mère? Être prêt, je dirais non, mais je ferai l'effort de suivre sa volonté, de faire ce qu'elle a demandé de faire, et je vais faire aussi l'effort de respecter tous ses conseils qu'elle me donne. De vous retirer à vos occupations, parce que vous êtes encore en train de vous occuper de vos nombreux invités, ceux-là qui sont venus aujourd'hui vous assister à l'occasion des obsèques de Maman Kouenga Lidi, de votre belle-mère. Là, je vais tout de suite entrer dans le fond du sujet. Nous avons accompagné aujourd'hui, 7 octobre 2017, Maman Kouenga Lidi à sa dernière demeure. Vous l'avez sans doute connue comme belle-mère, et sûrement elle a été pour vous toute une belle-mère, une mère, une confidente, une amie. En ce jour, nous lui disons au revoir. Qu'est-ce que vous garderez d'elle comme souvenir? Je ne savais pas distinguer si j'étais vraiment la femme à son fils, qui savait que j'étais sa fille et qui me portait vraiment dans son cœur. C'est une belle mère que je ne saurais vraiment vraiment qualifier, parce qu'elle avait beaucoup de vertus, comment dire, positives. Donc, qui m'a toujours dit, il vaut mieux m'entretenir son fils qui est comme mon fils aussi, c'est ce qu'elle me disait toujours, que le prend pas comme mari, mais prend le bon fils. Donc, par rapport à ça, moi j'ai retenu beaucoup d'elle. Comment déjà garder les enfants? Parce que moi je ne connaissais pas, je ne m'y connaissais pas, mais elle m'a donné beaucoup. Elle m'a donné beaucoup, vraiment. Elle m'a donné beaucoup de conseils. Et par rapport à ces conseils, j'ai beaucoup évolué. Et puis, grâce à elle, mon couple tient. Parce que je ne pourrais dire autrement. Ça a été une femme formidable, une femme gentille. En ce soir du samedi 7 octobre 2017, au crépuscule de la vie de votre maman, Maman Kouenga Lidi, que nous avons tout à l'heure accompagné à sa dernière demeure. Au crépuscule de sa vie, vous qui avez été son fils, vous qui avez été par la suite son mari, quel souvenir gardez-vous de Maman Kouenga Lidi? Je tiens d'abord pour remercier devant vous, Maman Ramadi, photographe et tout le staff qui ont travaillé pour cet événement. Et vraiment, les bons moments, je dois vous remercier. Parce qu'on dit dans nos programmes qu'on ne le voit pas quand on part. Mais c'est en pleurant ma maman que j'ai vu que c'est vrai que je suis une taille satisfaite. Je vous réserve d'abord. Vous n'aurez pas nos pères. Aujourd'hui, encore nos pères m'ont beaucoup honoré. Je vais commencer par là. Parce que ça m'a beaucoup touché. Je vais parler de tout ça. Je dois parler pour vous et mon père aussi. M'a beaucoup honoré. Avec tous les vieux de roi qui m'ont honoré, parmi mes frères et tous ceux qui m'ont fait. Beaucoup d'émotions.
message va envoyer, va dire ceci, c'est une femme. À chaque fois que je parle de retard, je vais dire aussi. Je vais essayer de m'abstenir. Pour ceux qui ont assisté à sa méditation de grâce, le 17 mai passé, en septembre à Paris, nous avons fini le 4. Et aujourd'hui, encore le 7 août, après la nous sommes à la maison, nous avons la présence de la elle a fait l'accident deux semaines avant mon mariage à Paris, pas le mariage, à Paris. J'ai eu une reprise avec mon épouse. Ma fille s'appelle la capture de la vie. Que maman ne va assister, mon mariage ne savait pas. Elle a fait l'accident deux semaines avant. Il y avait tout, il y avait tout ce qu'elle avait. Aujourd'hui, maman est partie dans la paix. Parce que depuis cet accident, Nous avons constaté là ce matin une large mobilisation, n'est-ce pas, de Leur Majesté, les chefs supérieurs d'UNDE. Donc, pas moins de 5 ont honoré de leur présence cette cérémonie. À quoi, selon vous, est due cette forte mobilisation de Leur Majesté? Tout d'abord, c'est le travail qui paye. Le travail paye, c'est à travers les actes. Et moi, je suis un prince. C'est beaucoup de gens savent pas que je suis prince. Nous sommes les princes. Avec mes frères, dans notre famille. Par rapport aussi à ce que notre grand-père a fait. Et ma mère sort de la chevelure. Ma grand-mère sort de la chevelure. Donc, nous tous nous sommes des princes. Ma mère aussi sort de la chevelure. Donc, aujourd'hui, c'est le travail qui paye. C'est les monarques qui ont choisi. À mon tour, aujourd'hui, c'est à travers tout ce que je pense. À Paris, comme quand je suis à la fin. La fin, je me suis sorti à Paris. Et au cours d'une dôme. Aujourd'hui, si je mets cette tenue sur cette terre, je n'ai pas au hasard. Ah, je peux vous donner un mot. Si tu ne connais pas la tradition, c'est la preuve de savoir. La tradition. Ne fais pas, je ne suis pas un homme qui a oublié. Je veux que la paix, le travail, honorer nos pères.
Et c'est la raison pour laquelle on dit aussi à Montréal. Et il y a beaucoup de qui devraient être là aussi, ils devraient être plus nombreux que ça. Il y a des empêchements, il y a aussi d'autres deuils que nous sommes excusés parce qu'ils se sont fait passer de là. Je me réjouis que ce qui est là aujourd'hui. Et je dis aussi merci à tous ceux qui sont là. Nous sommes tous ensemble, je voudrais dire merci à tout le monde là du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, j'ai aussi une association de l'aide qui s'appelle Semer dans le cercle de la diaspora. Qui soutient tous les mois et que les gens aussi ont soutenu. Et je les ai même montré la pantalon dans le film, dans les rêves, vous allez bien filmer. Et c'est le Dieu est là, qui soutient tout ce qu'on fait dans la sorte traditionnelle. Merci. Oui, Tani, une dernière préoccupation. Maman Kouendali dit que des louches pendant ses obsèques. Que de bonnes paroles. La paix, l'amour. Aujourd'hui que ça m'est allé et qu'elle a bien voulu confier à Anita la lourde tâche, quand je dis lourde, les mots sont bien pesés, parce que une jeune fille comme celle-là, qui va devoir supporter tout ce poids, tous les espoirs de la famille, quel conseil est-ce que vous pouvez lui donner à l'aube de la nouvelle vie qu'elle va désormais mener, non pas en tant que Tatiana, mais en tant que grand-mère. Oui, je veux tout d'abord dire, maman a choisi de son héritage à sa petite fille, Anita. Anita, autant pour moi. Oui, Anita, qui devient aujourd'hui aussi ma fille, qui devient aussi ma maman et ma tante. Parce qu'en tant que chef de famille, en tant que père, je vais essayer de l'amener dans sa nouvelle tâche. À apprendre des choses traditionnelles, à savoir écouter, à savoir partager pour maman, partager beaucoup, là et pas les autres. Beaucoup de respect pour ce maman qui est une femme discrète. Mais on la connaissait à travers les actes sociaux, très sociaux, que ce soit au quartier, partout. Jamais on n'a jamais entendu sa voix. Ainsi que mon père, quand mon père est décédé au quartier, pour lui, il savait quoi qu'il était, parce que c'était un homme discret. Mais très social. À chaque fois qu'il y avait une action, il faut que tu viens là aussi. Je dois à tout cela que mon papa, papa Satie Thomas, et maman Kingani, ils sont partis. Je vais dire tout simplement que les âmes se reposent en toi. Qu'ils sachent que le passage sur cette planète, sur cette terre non enceinte, ne serait pas grand. Et ce qu'ils ont semé va pouvoir envahir le monde entier, on va pouvoir aider nos amis à répondre à des questions, en prêchant la paix et l'amour dans la famille. Ça, c'est le message que je dirais à mes frères, je vous dis que l'amour sera fait par vous. Je vais dire tout simplement qu'on soit en paix. La famille se tient en bas, pour la famille se tient en bas, pour la famille Simé, pour la famille Mbako, pour la famille Bachou. Pour les familles réunies, qu'on soit la famille Sanjon. La famille Tchamda, et toute cette famille, la famille Sati, en tant que chef de famille aujourd'hui, qu'on soit unis, et que ce dimanche soit vraiment unis. Avec notre dernière maman, et de sa grande soeur, son énorme encore dans la démonie. Et il sache que nous allons nous battre pour vraiment faire accéder la paix à la famille. Le dernier mot que je veux dire, que maman ne va jamais tomber. Jamais. Les mots me manquent pour pouvoir qualifier qui est peur. L'amour que je porte pour elle est éternel. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tous ceux des frères de loin. Et que les ancêtres agissent pour tous ceux qui sont venus. C'est que chacun des lieux tout puissant. Avant que je sois dans la paix. Puisque nous sommes là, pendant que nous sommes là, voilà après une demi-mois ce soir. On va continuer dans la paix. Dans la joie, Seigneur. Maman est partie, mais elle n'a jamais été à 81 ans. Ce n'est pas une heure n'importe qui, c'est une femme qui était une femme digne et toujours propre. Elle est partie avec toutes ses dents blanches, ce qui a surpris beaucoup de gens. Donc vraiment, maman est partie. Dans son sommeil, le Seigneur agit. Une bénédiction. Merci beaucoup, merci vraiment. Merci, merci à tous mes frères qui sachent que j'ai compris le message dans ce livre. Apparemment, je ferai l'effort